Ok, eh bien, par rapport avec sa capacité de pays, eh bien, il y a plusieurs acteurs qui décident lever campé et pour exiger, ça n'est les démissions, conseil présidentiel, là, gouvernement Koni, là, et même mandé avec Déjéra Monomil, Rachel Mayokli, Baïtalon dans la police, là. Parce que yo dit pas normal, li inacceptable. Pendant que ensemble autorité ça yo là, yo soi-disant Dieu c'est autorité et pour tout bagage ça passer en présence en bas géo alors que yo te dit que y a venir résoudre ça guerre là comme problème. Et maintenant c'est ça, gagné Guy Philippe avec ancien ministre Nader Joiseus. Yo mettez campé yon parti politique tout neuf et yo dit yo pral engager yo dans une série de mouvements, une série de mobilisations pour yo capable exactement capoter équipe qui là parce que yo dit je dis que monsieur dame sa yo gen moun kap di mais Nader était dans Jovenel Nader passé plusieurs mois comme ministre Jovenel Moïse et qui sa résultat lié qui sa bilan lié comment fait je dis il vient passer en opposition mais ou konn en Haïti ça qui gagne c'est que en pile nan acte politique nou yo bien que les gars t'est passé comme ministre comme président comme sénateur comme député que le pas régler en insérieur en pile nan yo mais yo capable retourner dans figi moun mais je dis est-ce que c'est ça débat lié. Est-ce que débat c'est gardé et présent jodia un nouveau esprit politique mais qui prend le bataille contre l'équipe qui là mais c'est ça pour nous garder parce que jodia hein, messieurs dames ça te promettre que il y a porté réponse ça porté résultat face avec situation que pays a connait sous Ariel Henry qui parle encore et qui Philippe Clément dit que lui-même en soi li praler pour voyager, li va dans plusieurs pays en Afrique pour être capable aller rencontrer avec des autorités de on dit dirigeants de leur pays pour garder dans quel niveau yo capable venir aider Haïti pour libérer Haïti en bas griffe communauté occidentale selon ça qui dit bon côté et qui Philippe et des il a dit que gagné policier dans prison civile sud-est paysan. Yo décidé pour yo camper travail pour aucun manger pas entrer à jeune prisonnier yo parce que yo dit que l'état dweyo et 80 combien mille goud l'état pas jamais voyer l'argent ça bayo et yo dit tout autant que l'état pas voyer l'argent ça bayo parce que aucun manger cap sorti cap rentrer dans prison pour à jeune prisonnier yo. Est-ce que je dis à la prisonnier yo obligé à payer conséquences nan pour et mouvement et policiers, nous dit non et nous dit li pas normal désir venir ça. La situation gagne ministre éducation nationale là même avec premier ministre qui était accompagné pour aller dans Canada qui fixait réouverture des classes pour 1er octobre 2024 là qui a venu là qui pourra permettre année scolaire 2024-2025 là les redémarrer pendant et premier ministre Gaïkoni avec ministre éducation est déjà prévoit une subvention pour ensemble des parents qui pourra gagner pour voir si mon l'école les cap sorti de 10 à 15 ou 20 000 goud que parents sont capables de bénéficier et c'est plus passé 5 millions que ça pour programme cela yo faire quoi qu'il cap coûter pour réouverture des classes surtout là on connaît situation difficile que mon connaît dans plusieurs quartiers en dedans pays hein quel était dans région métropolitaine non quel était dans département la Tibonite situation pas douce du tout pour parents yo. Non, après-midi, qui était mardi, qui se passait à la situation, c'était SOS qui t'a lancé tout partout, dans le cabaret, dans le Akaye, à cause pression qui a monté dans la zone ça, sous base, bandit, qui a sorti dans le Canada, qui a venu attaquer Mounsao, dans la zone ça, permettre que la situation paraisse extrêmement difficile pour moun qui vivent dans la zone ça. Dans ce qui est pour être avec question préparation pour élection, divers secteurs à défiler pour vous et délégués ou bien pour vous et moun à représenter dans le conseil électoral provisoire qui cap permettre que machine électorale là, li dérape malgré divers voix qui a levé, qui a questionné, qui j'en élection pour faire organiser dans le pays en blessé personne, parce que les moun yon analysé 80% dans le capital pays a pratiquement sous contrôle bandit exam, département de la Tibonite, deuxième puis au département en thème. Quand c'était monde qui a voté dans l'élection les organisée, eh bien c'est bandit qui prend et majorité espace qui a théorisé population. On a posé cette question, est-ce que l'élection qui a parlé là pour le cap est organisé tout bon vrai gens autorité cap recevoir non monde qui a sorti dans divers secteurs pour participer dans le conseil électoral là. Michael lui alias Tipaster, c'est nous un membre gang canarin
et que Jeff Agolwa a dirigé, qui joue rôle chauffeur dans Jérémy jeune arrestation et dans ça qui vient pour avec quartier résidentiel et Bodès d'après responsable service départemental police judiciaire inspecteur Wilner Christophe chef police là dans Grandance commissaire gouvernement divisionnaire nous voulons parler de France cet amant lui passer instruction formelle pour toute et population faire un seul avec force de l'audio pour permettre que bandi qui t'a venu réfugié dans zone ci là pour pas entendre pour jouer espace et ça qui pral dans pays sans chapeau et c'est là qui pral puiser peigno et dans prison pour y a puiser peigno dans prison parce que yo fait quoi pas quitter espace ou bandi vienne faire ça ou vle ak ça hôpital Clarence Renoir responsable parti politique uni li mette yon voice d'yo pour critiquer comportement autorité yo dans l'état des personnes qui pratiquement montrer que yo déconnivance yo d'accord. Collaborateur nous désirons ce côté Jean Dabdia Clarence Renoir qui est président Unir Haïti. Monsieur clairement montre que je dis là, eh bien, il presque pas être sous pour le capable déçu de conseil présidentiel et de gouvernement que il dit jusqu'à présent. Que nous cap baquer avec activité pour cette situation paraît très difficile, mais suite son. Oui, nous avons dit que Jean Clarence Renoir, monsieur qui vraiment pas être commencé déçu par rapport avec sa Jean qui ni conseil présidentiel là, ni gouvernement après réagir là dans le pays. Désolé, c'est que réside selon OIM, il fait connait que gain résident quartier qui a quitté la caillou et José Ali compter presque 2100 moun qui censé quitter la caillou à cause que m'a dit et 400 maozo a problème dans zone quartier et je dis là autorité yo pas prouvé vraiment qu'il y a volonté pour capable bataille contre question insécurité et empêcher gang armé même pour que yo pas poser de action concrète par rapport avec question qui pour avec question insécurité mais gagné ça lundi là enquête LCC qui était dans des président conseil administration BNC dans ça qui pour avec trois conseils présidentiels yo Raoul Pierre lui était passé plusieurs temps et plus passé 7 temps à répondre question enquête ULCC yo et sans que aucune révélation qui fait concernant son capable dit que on dit et accusation que Raoul Pierre lui-même l'était porté contre trois conseillers présidentiels qui lui-même c'est exactement Luc Gérald Gilles et Smith Augustin et puis Emmanuel Vettilaire même qu'a dit que jusqu'à présent là pas vraiment rien mais qui dit qui révélé et bon côté nous capable dit là Raoul Pierre lui dans audition que enquêtait ULCCO t'a gagné ensemble avec et président et conseil BNSA monsieur Raoul Pierre lui Desi Venesse nous va aller avec et Jean Dédian avec policier ça qui au même je dis hein nous capable dit Desi Venesse qui au même eh bien non et on dit prison civile non. Et Jacques Mel dans Sud-Est Payan, il a revendiqué plusieurs sommes l'argent parce qu'il dit que l'État de Guéo, l'État a pas payé l'argent ça. Nous allons venir avec des Ivenesses et après ça, nous venir avec Guy Philippe lui-même qui parlait dans le dossier ça des Ivenesses, la question qui est pour avec question politique des Ivenesses. Très bien. Bon, là, c'est la même question qui m'a posé. Avant qu'on vienne avec policiers, si policiers ont fait grève, prisonniers qui pratiquement a pigé en peine dans prison, est-ce que vous méritez que ce soit prisonniers qui pour payer ça l'État n'est pas fait comme redevance envers policiers? Il paraît absurde et dans n'importe pays, et policiers si là, ok? Vous avez traduit devant la justice parce que vous violez le droit que prisonniers ont gagné pendant vous en prison et le fait que vous pas décidé de recevoir manger pour vous, bien sûr. Mais l'État qui n'a plus au niveau à tout méchant, oui? Parce que on dit que si nous avons close avec policiers, vous avez fait un bail. Ce n'est qu'on close avec un débat policier d'argent, parce que quelque part, c'est une clause que nous avons avec eux, et nous avons dit que n'a pas aussi, que donc je dis là, nous pas qu'à faire le contraire des Ivenes. En venant avec les policiers. Bon, CDAP et prison civile, Jacques Mel. Ça qui passe même. Je dis à nous camper, nous avons revendiqué 81 000 coups de frais noirs, côté que l'État a fait des bafoués. Nous avons campé déjà, nous passons maintenant en tête, nous disons que nous avons venu au mois de mars. Qui te ba nous 3 mois frais. Qui te ba nous 81 000 gouttes là ou pas ba nous. Mais jodi a mois d'août, nous sommes 8 mois, nous ne pouvons pas ba nous gouttes. Jodi a, nous avons soulevé 81 000 gouttes là. C'est choix de bataille là. Et tout le temps, 81 000 gouttes ça pas dans nous, pas de monde qui fait nous faire bac. Pour nous faire bac, 81 000 gouttes là, rentre là, y a distribué chèque là, pendant manger pour prisonniers, à rentrer dans des pouvoirs. Pour prisonniers manger. Ils ont traité ni policiers en parent pauvre ni prisonniers en parent pauvre sous prétexte que prisonniers a mourir dans prison la fin l'état pas ba manger en pile monde comprendre c'est agent qui maltraite prisonniers qui fait mourir comme ça
Jodia, nous dit pas logique dans plein 21e siècle ça pour prisonniers mourir grand goût. Li pas logique dans plein 21e siècle ça pour policiers à travailler dans prison dans situation critique ça. Côté que chaque jour n'a prend sa toilette, n'a prend l'appli, n'a prend brimade, les prisons sous caisse nous pour nous kembe prisonniers là. Jodia nous rivions côté nous pas capable encore. Nous alors maintenant moi nous gagne domino là semble nous camper travail. Oui, jodia nous faisons arrêt de travail. Mm-hmm. Arrêt de travail ça c'est l'état qui ca lever les imprimer chèque pour le voyer là dans base DAP. Nous même agents qui travaillent, qui ouvrent dans la prison, nous réclamons 81 000 euros sans condition. Et c'est toute unité qui paye. DAP simplement. Mm-hmm. Mais là, comment nous comprendre, nous-mêmes qui toujours fait face à un peu de difficultés, c'est nous-mêmes qui nous maltraitons. Bon, c'est choix l'État a fait pour traiter prison en parents pauvres. Mm-hmm. Non seulement il traite agents en parents pauvres, mais manger au babay prisonniers. On l'a pas mangé matin. Non, pas mangé pour prisonniers. Prisonniers ont mouru la faim. Mm-hmm. Et c'est si les prisonniers ont mouru la faim, c'est nous qui allons payer les conséquences. Les prisonniers ont revendiqué, ils ont fait des ordres. C'est nous-mêmes qui pouvons aller maîtriser. C'est nous-mêmes qui prenons pour proche, c'est nous-mêmes qui prenons pour toilette, c'est nous-mêmes qui prenons pipi. Nous n'avons pas de matériel pour nous travailler. Jodia, nous avons réclamé frais 81 000 gouttes noires, nous avons réclamé matériel pour nous travailler, et puis tout, nous avons réclamé bonnes conditions de travail. Nous n'avons pas de droit, nous avons droit à la couler. Nous demandons l'État. Qui est-ce que nous avons pris le travail? Nous avons pris le travail, c'est les chèques-là, à distribuer nous. Pas Jacques Mellala, nous signons, nous prenons chèque là. Et puis, pendant ce temps, manger à entrer dans le dépôt pour prisonniers manger comme ça doit. Laisse ça, nous prenons le travail. Dépôt va gagner là, on Blanche, c'est le commissaire gouvernement qui fait appel à citoyens. Matin là, moi, j'ai porté des douzaines de lames là. Jusqu'à présent, pour gagner pour prisonniers manger. Des douzaines de lames, oui. Des douzaines de lames pour prisonniers manger. Prisonnier qui fait mon côté package de manger. Des douzaines lames, citoyens au côté pour bail, prisonnier au manger. Pendant président conseil présidentiel de transition, Alna Caricom, tout est sous contrôle. Quasiment pays a sous contrôle et la sécurité. Pendant même manger, qui ça cause plus dans sa package de manger, blessé personne, c'est parce que pas de traverser, manger pas qu'à aller. Dans ce des pays. OK? Policiers qui pratiquement ont fait une revendication pour demander 81 000 gouttes par yon, qui ont besoin de jouer, qui n'ont pas besoin, qui se cop frais ou bien redevance, condition que l'État a gagné, et manger qui n'a pas dans des pots pour prisonniers manger. Même l'État a dû aller devant la justice pour aller répondre à une question parce qu'il viole les droits prisonniers ou les autres. Moi-même, je vais essayer de comprendre que. Elle a dit, comme si. Voilà, pour de près, c'est qu'à fiscal policier. Imaginez-nous que y a travail dans de mauvaises conditions, Jean-Monsieur dit là, très dur. Et puis c'est dans le moment ça tout, que l'État de pile l'argent, et il demande l'État de payer l'argent, l'État paye. Et si l'État pas paye, pour que normalement, question manger, pas rentrer à joindre prisonnier. Que l'État, il est responsable de. Situation police qui travaille dans de mauvaises conditions. Et l'État en soi tout, responsable de situation prisonnier yo en dedans prison et Jacques Mel. Gardez dans quelle dimension que le pays a lui-même trouvé. Gardez dans quel niveau que l'État mette le pays ça. En parlant de sa désir, nous songeons à Jean-Bessap que bandit 103 zombies en Grèce été kidnappé. Mm-hmm. Nèg yo maltraité jeune garçon ça cassé tête les maltraité et bien nèg yo ta semblé libéré monsieur nan journée que t'es exactement mardi qui t'es 6 d'août là et ça Tristan Magalan nèg qui c'est chef team 103 zombies bandi ça les que a jambe ça n'a pralé monsieur allons li as l'argent il va monsieur 20 000 dollars Haïtien a bien dit 100 000 goud. Mm-hmm. 100 000 goud. Ou imagine que nèg yo à l'aise, nèg yo kidnappé, nèg yo libéré,
Et les liberté, mon mouton, c'est au qui l'État, yo ben l'argent. Yo ben monsieur l'argent pour dire, et monsieur elle prend soin. Parce que vous estimez que vous avez fait monsieur du temps. En pile, vous maltraitez monsieur. Mm-hmm. Je dis, mais qui paye une là? Et bien, qui bon l'autre gardote, rete là, monte sous tribune CARICOM, elle dit que tout bagage sous contrôle, la vie commence à reprendre dans le pays. La vie commence à reprendre dans le pays. Edgar Leblanc fils, comme un grand monde sans autre que lié, pour les gars camper sous tribune CARICOM, pour dire la vie à reprendre. La police et force de l'audio a reprendre la contrôle de la vie pays. Mais c'est normal. Parce que yo même comme conseiller, yo nan machine blindée, yo ke pile policier derrière yo, yo pa descend nan palais national, c'est villa d'accueil yo siégé, elle dit ça fait garder moun nan ghetto, nan quartier défavorisé yo. Yo met mouri, ça fait garder yo. Ça fait garder yo. Et bien les gars, tout est sous contrôle. La vie commence à reprendre dans le pays. Messieurs, dames, l'histoire que vous jugez nous. Et créons l'histoire, peuple, ça va gagner comme nous. Parce que l'elle pral écrit pour nous. L'elle pral tracé pour nous. Baba nous menti, n'a pas gagné des bagages dans le monde. Desi Venesse, gagne ensemble de secteurs, ensemble d'acteurs, ensemble d'organisations de base, qui yo-même, yo chanté entièrement. Conseil présidentiel transition à tout accord 3 avril. Il dit pour eux-mêmes, conseil ça va pas reconnaître lui et va pas reconnaître accord 3 avril. Désir, moi senti mon pressentiment. Moi j'ai pressentiment que pays a pral tourner tomber dans bouleverse. Pays a pral tourner tomber dans situation tête chargée. Bon faire mon entendre acteur ça lui même qu'a parler. Nous-mêmes au niveau bloc progressiste opposition, à travers un document que nous avons mis dehors qui devait dire consensus pour un autre accord politique, qui vient suite à un constat que nous faisons, que nous rendons compte que le conseiller présidentiel, Antonio, il a crasé l'accord 3 avril. À quoi ça a les violer dans l'esprit et dans l'esprit. À quoi ça a rien qui respecte là-dedans. À quoi ça a gagné 4 mois depuis li, là lui-même en pas marché. Par exemple, à quoi a dit le fait que le conseiller présidentiel nous dans une situation côté que extrême urgence, côté que c'est priorité pour les paysans c'est sécurité. À quoi nous fait là il prévoir pour gagner ça que les CSN qui sont Conseil de sécurité nationale et CSN ça là pour la mettre campé en plan de contrôle territorial qui permet de récupérer sécurité nationale pays la permettre que nous redresser situation la police la permettre nous renforcer l'armée d'Haïti et sous bail ça pour rebailler l'espoir pays en termes de circulation citoyenne. Accord 3 avril l'a dit, il faut conseiller respecter la loi. Youn, là n'a pas eu la loi, nous, allez faire sacrer les déclarations de patrimoine. Puis il faut conseiller pendant tous 3 mois, ça va faire des déclarations patrimoniales. Et il va déposer aucun document. Et le fait que vous n'avez pas fait déclaration patrimoniale, ça veut dire, monsieur, vous n'avez pas combattre la corruption. Et vous pouvez, c'est sous 3 mois, il y a 2 là-dedans, courir à faire les déclarations patrimoniales. Et à ce que sous loi, sous question patrimoine, il dit c'est 1 mois après l'installation, 1 mois après quitter fonction. À quoi a dit, siège social, conseil présidentiel là, c'est le palais national. Nous avons 4 mois depuis le Sénat, ça a logé dans le village d'accueil. À quoi a dit qu'il faut un organe de contrôle. Jusqu'à ce qu'il pas un organe de contrôle. Ça. À quoi a dit qu'il faut que l'écoute bail et faire le mal, il faut le publier dans le journal de l'humanité. Je vous le dis à ça, à quoi ça n'a pas publié dans le journal de l'humanité. Je dis à la ouais, nous tous campés, nous en noir.
parce que nous considérons les Nexaïo comme zombies, son équipe zombie rebelle qui campait en dehors de la loi, qui pavent les Chita sous accord à Arula, qui c'est un banc, le carré comme des balles de Chita, ils ont entendu le craser banc, et bien ils ont été campés. Nous-mêmes, pour nous parler avec eux, c'est camper, nous recamper pour nous parler avec eux, pour nous dire que nous avons des autres. Pour nous-mêmes, les gens qui font constat, nous disons que nous ne reconnaissons pas l'autorité du conseil présidentiel, ça y est. Le fait que nous ne reconnaissons pas l'autorité du conseil présidentiel, ça y est. Et c'est à quoi toi, Avril, tu es météo là. Ça veut dire que nous ne reconnaissons pas l'autorité ni du conseil présidentiel, ni du premier ministre. Et que nous-mêmes, je dis, nous avons parlé d'un accord, un nouvel accord. Mais nous disons qu'on a un nouvel accord, on va avoir un accord imposé par la communauté internationale. Ce n'est pas un accord concocté par les conseils, par les CCI en dimanche, mais c'est un accord, là, et nous disons, et les patriotes, les secteurs démocratiques pour acheter ensemble dans le cadre de consensus. C'est nous-mêmes au niveau du bloc progressiste, nous lançons un mois de concertation. Nous proposons notre bagage, nous avons une concertation, nous ne parlons pas à l'autre secteur, l'autre entité politique. Pour nous chita, pour nous dire qui direction on a pris, comment on a fait. Et par conséquent, nous-mêmes, nous déjà repositionnons nous pour nous aller remplacer M. Damsaro par un juge de la Cour de cassation et pour nous juger même base consensus, pour nous juger un premier ministre qui connectait à la réalité. C'est pour un premier ministre qui, chaque fois, parle dans la presse, qui prend un petit qui est par les noms et qui permet que vous, que son ministre qui enlève, qui parle même de tête, nous-mêmes, nous clés sous base ça. Nous reconnaissons que nous disons à partir à quoi sont perdre de temps. Le conseil présidentiel, ça sont perdre de temps. C'est gaspiller qui met les ressources de l'État. Donc, dans ce sens, pour nous permettre que le pays a vivre, zombie ça, puisque nous-mêmes, nous symboliser et mettre, parce que c'est nous barons. Donc, nous avons facilité le pays à ouais, qui est-ce qui n'a accord toi avec là et qui est-ce qui l'a. Donc, nous, comme c'est nous-mêmes, cimetière, c'est pas on commande ça. Et que nous-mêmes, nous permettons que nous-mêmes nous voyons ça là. Nous c'est ça. C'était pour nous. Merci beaucoup. Et puis. Pour une Alphonse Jean, Montana Kibaye. Nous qui pris Alphonse Jean, c'est Montana Kibaye. Nous gagnons Louis Gérald Gilles, accord 21 décembre. Nous gagnons Louis Gérald Gilles, accord 21 décembre. C'est pour nous, Edgar Leblanc-Fils. Nous avons Edgar Leblanc-Fils. Et nous voyons que M. Sakele Edgar Leblanc est allé dans le CARICOM et il dit que le pays a reprendre dans le pays. Il dit que tout le monde est capable de se qu'il est libre et libre. Ça veut dire que Edgar passe à un fier menteur. Donc nous disons que nous avons le président. Les filles font un étoile là, famille là, voilà ce qu'il est. Donc nous voyons que qui est-ce que vous présentez là? Nous avons Emmanuel Ventiler, petit de Salis, petit de Bailly. Oui, je cherche. Reposez en paix, camarade. Nous avons Laurent Saint-Cyr, bourgeois. Secteur privé, je dis, qui contrôle l'État à travers Laurent Saint-Cyr, qui à la fois, il y a une économie en main, et il y a une politique en main, je dis, là, nous mettons les pivets. Régime Abraham, self-femme et société civile. Malheureusement, pas fait fierté, mesdames, qui d'accord entre col en mi-temps et 8 délinquants, qui décidaient à violer la loi, pas respecter ça, ils écrit ça, pas respecter l'essence même qui permet que vous là. Frénel Joseph, communauté religieuse. Nous avons Frénel Joseph et l'ordre religieux qui sont base moralité. Malheureusement, nous avons et que ils ont été insensibles par rapport à ça. Et enfin, Smith Augustin et des Red pour vos histoires. Nous comprenons la réalité. Nous comprenons la réalité. Nous comprenons que c'est un homme qui est dans quatre présidences tout maintenant et qui mêle notre série de scandales que nous avons parlé là. Et malheureusement, pour le pays, c'est dans ça que nous trouvons nous. Donc là, après, c'est un plaisir pour nous-mêmes. Et que, messieurs, dames, ça yo, nous mettons là le secret ça, et nous assurons que le secret ça est sous haute surveillance, parce que nous-mêmes, au moment opportun, nous allons laguer le cadavre ça yo, le secret ça, devant l'ambassade américaine. Hein? Ça, c'est monsieur Bloc Opposition des Ivenesses qui ont même là enterré question ensemble de conseils résidentiels, mais qui enterré tout à quoi de quoi, parce qu'il dit. Jusqu'à présent, à quoi 3 avril, là, M. Sayo, pas gagné de sérieux après qui, au contraire, c'est plus, trop plus, même fait payer en dixième. Bataille a commencé bonheur. Et nous-mêmes, bon, ici, en Blaise Peterson, nous sommes prévoyants. Parce que l'étape difficile pour neuf idéologies, l'étape difficile pour neuf philosophies, que nous pas de gagner ça, dans la pratique, nous, dans la question politique dans le pays, et pour arriver à un résultat,
sans doute que peuple haïtien t'a souhaité. Parce que en pile nèg yo yo personnel et mesdames yo tout parce que gen femme dans conseil présidentiel transition. Ouais, on bataille qui déclenche là, soit conseil présidentiel yo a cherché légitimité, a cherché plus pouvoir et en face premier ministre là parce que estimer que premier ministre a agi en face autant que c'est lui-même qui chef tous les têtes gouvernement de dans pays là. Qui rend conjoint quelques petits et militants qui étaient dans nécessité, on 50 000 goudes, on 100 000 goudes, entendre pour faire mouvement dans la rue, pour dire à Bakoni, vive conseil présidentiel. Malgré nous connaissons, tous les deux, pas en faveur peuple, non, Jean qui a pas avancé là, mais Kounier, qui s'appelle haïtien? Parce que chaque bluffeur qui décide de prendre la parole là, il a besoin de prendre la parole dans le nom peuple haïtien. Qui pep? Est-ce que c'est pas même pep ça? Je veux dire, Kapkoui qui te gantye? Parce que, ouais, OIM, déjà, il y a un bilan, quantité de monde Kapkoui qui te gantye. Organismes internationaux, plumio, kaeyo, computer, toujours parlé, pour faire bilan. Pour présenter quantité de monde Kapkoui, Kapfuzon, par rapport avec violence. Les ça, li bay opportunité, pour gen plus bay de fonds, Kap débloquer somme l'argent. Parce que il y a pauvreté, il y a grand goût en Haïti. Cependant, il y a tout qui connaît dans son pays riche, il y aurait une monde pour nous venir manger bon ici. Il y aurait une monde pour nous venir changer conditions la vie, dans le job, dans le go l'argent, pour nous retourner la caillou. Dans ça qui est pour avec question, et regroupement, et mission, multinational support et sécurité envers la police. OK? C'est Kounia qui a fait pour la formation pour officier kenyan pour permettre que vous ayez une langue et pour vous communiquer. Et puis, ne continuer à chercher moyen pour débloquer l'argent. Je ne pas connaître sous elle, Blaise Peterson. Je veux dire, la situation n'est pas difficile, c'est vrai, pour vous voir si à l'école. Mais, pour avoir une corruption pour l'ouvrir là, dans la question de l'argent subvention, que le Premier ministre a parlé dans l'ouverture des classes qui vont venir là. Le conseil présidentiel, il a été entendu, il a débloqué l'argent pour assainissement, pour faire corruption par eux, pour n'y avoir tout pas Garigoni. Nous avons pays. Majorité autorité yo yo viser l'argent tout simplement bon fonctionnement pays ya, pas intéressé yo. C'est ça qui a passé là, c'est ça que divers groupes qui déjà prend position pour enterrer conseil présidentiel pour enterrer gouvernement Konina yo te de faire ça déjà sécurité que n'pa gen là c'est parce que Gary Konina gen sécurité que n'pa gen là c'est parce que les sept membres du conseil présidentiel de transition, il y a une sécurité, il y a même. Et ça vient permettre, quel que soit côté arrivé, il n'y a pas de questions d'insécurité, il y a honte que tout pays a en sécurité, parce que il y a même insécurité à pas arriver sur eux. Problème que n'a pas parlé là, il n'y a pas qu'on elle. C'est nous-mêmes qui qu'on elle. Faut que nous arrangeons le monde faire le temps pour Jean-Bertrand Aristide de dire, wash dans de l'eau, à deux comme douleur, wash dans le soleil là. Monde qui en bas la ville là, avec monde qui pète en ville là, il y a vivre dans le même pays, nous t'as qu'à imaginer, yon n'a pas dit, yon n'a pas fait, dans le même pays. Ya. Faut au moins, yon rapproche de l'autre pour comprendre la situation qui est là, qui a bien intéressé tout le monde pour chercher à résoudre le problème de sécurité, Blaise Peterson, parce que bah, la difficile. Chômage a multiplié. La vie, la police, pas épargné. Infrastructure policière, yon continue à attaquer. Infrastructure publique, de bureaux, administration publique, la douane, DGI, l'école, université, l'hôpital, yo continue à vandaliser par les gangs armés. Et gang yo mouto ke yo 4 fois. L'État a perdu contrôle, situation net. Zam continue à prendre chaque jour, dans la nuit pour la journée, qui permettent que chef gang 400 Maozoua, nous voulons parler de la mort sans jour, lui montre que pas de autorité en dedans pays. C'est eux-mêmes qui ont autorité. Anecdote qu'on saute partager là, soit Jean Bessap, qui est team 103 zombies qui est kidnappé, l'aile pour aller, il balle 100 000 gouttes. S'il a imaginé, à Jean Bessap ça, pour combien de mois qu'elle a de travail, malgré les maspinel, est-ce que n'y a pas de monde qui pourrait le mettre en position pour ne pas kidnapper pour maspiner, les applaudir pour balle 100 000 gouttes? Pourquoi il n'y a pas de monde qui doit dire pas de problème pour y aller prendre bâton, mais n'y a pas de personne? Parce que la situation qui a connu dans le pays, grand groupe pauvreté qui a lagué dans le pays, et c'est l'État qui cause. C'est l'État qui fait. Parce que monopole de la violence légitime, c'est l'État qui gagne. Qui s'est empêché que l'État y agisse? Qui s'est empêché l'État avancer pour un bandit?
ou plus souhait, nèg yo ap marcher, radoter, rablabla dans radio, rablabla dans bureau, rablabla bon côté moun ki a rencontré et puis rien. Communauté internationale là, comme li wè son paquet assassin, son paquet criminel qui gen vers sou yo, kap marcher radoter toute journée, li pa ba régler rien, li voye en mission de cathédrale, li voye en mission pépé, vinn bo ici a. Nèg yo la levé chaque jour. Il a bien passé. Peuple haïtien a trépassé en bas insécurité pendant qu'on mission qui commence à déployer pour question insécurité en dedans pays Blaise Peterson Guy Philippe et consort tant que nous t'est dit dans mise en contexte et c'est imaginer une autre alternative pour révolution frein rivé pour naissance Guy Philippe coordonnateur général et Joasseis Nader vice coordonnateur yo essayer donc garder question Joasseis Nader ministre, ancien ministre, ok? TPTC. TPTC, ok? Ministre de Travaux Publics, Transport et Communication. Et faut qu'on dit tout, monsieur Seyoun n'en est un professeur qui enseignait karaté en dedans pays. Ok? Malheureusement, pas plus fois, l'en est passé dans le gouvernement. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez non. Ce soit que vous n'avez pas de blaise. Soyez au grand monde, pas prêt. Pas qu'à voir grand monde ça à l'attaque, nèg qui gagne zam nommé. Et j'étais mettre faire karaté. Nèg a géré monsieur. Ok? Sensei Nader. C'est comme ça. Et comme ça, je me contente de la prélité. C'est Sensei Nader, c'est une autre dimension. Parce que nous songeons, pendant que monsieur t'a bas en conférence pour la presse, t'es une photo Jovenel qui t'est tombé. Monsieur t'a dit là, t'es content. Ok? Et c'est une année qui t'est proche Jovenel Moïse. En pile Blaise Peterson. Et si t'es honnête que Jovenel te puisse faire confiance, et il est difficile pour pas Joasé Isnadel, parce que tout côté Jovenel Moïse t'a fait, ou après qu'elle t'a accompagné avec Joasé Isnadel, te fait confiance comme ministre et travaux publics, transport, communication, que Jovenel Moïse qui t'a gagné, soit la bataille politique, sous et question construction route, construction et barrage, construction hydro. Ok? Est-ce que Kounia, si tu sais que vous mettez campé là, il pourra permettre que vous arrivez par résultat. Est-ce que Guy Philippe, pour certains, il ressuscite tout bon vrai, il pourra permettre que Guy Philippe arrive pour un réel et gouvernance pays hein, après le film sorti en Afrique? Est-ce que vous pourra balayer l'onction pour permettre que la population haïtienne comprenne que c'est les mêmes qui sauvent, c'est les mêmes qui avaient changé? C'est vrai que les barrières qui passent là, Guy Philippe était déjà prédit. Il te dit, pas qu'il y a un conseil présidentiel qui a venu faire là, pas qu'il y a un gouvernement qui a venu là, qui a venu changer ça. C'est changer pour nous changer le système. Malheureusement, personne ne va comprendre la situation. On vient avec Guy Philippe qui a parlé avec confrère dans micro vérité sur Radio Télé Éclair. On donne Guy Philippe. Bonjour, je salue tout le monde qui sont sur le panel, tout le monde qui a attendu nous, qui a écouté nous quelque chose à côté. Donc, c'est un plaisir de nous faire festivaliser ce matin. Bon, et nous comptons rejoindre nous après un long temps de silence, tu as dit d'observation. Ou t'es annoncé ou ap pon tan ou pa parler pour pas pour nèg pa di c'est ou k'ap krasé qui empêcher moun travail qui empêcher ou gouverner gens ou doit gouverner ou t'es annoncé ou ap parler jusqu'à mois d'août effectivement nous dans mois d'août qui ça observation yé le constat qui j'ont gardé déroulement ça k'ap déroulé là avec le conseil présidentiel le premier ministre Gaïkoni et pays a comment ou regarder ça k'ap passé ou donc soit regarder soit bien tendu samedi depuis avril. Et le nègre t'a parlé de conseil présidentiel, de formule CARICOM. Nous avons déjà dit, mais qui vient pas le fini. Parce que Jean était fait là, depuis là, il était fait là, tout le monde, ouais. Qu'est-ce qu'on équipe de mafia, si intelligent, si apatride, qui mettait ensemble avec un international pourri, et puis qui menait Haïti côté là. La. Donc c'était à prévoir, tout le monde te connaît, c'est là, nous allons aller. Et nous avons dit, c'est là, nous allons aller. Ouvre neuf nègres dans le parti politique, tout le monde est de yo, il y a rasé, il y a besoin d'argent. Yo toujours yo pa gon moun yo pa ka passer yo fait toute vie au dieu politicien yo pa ka aller dans élection même pour azek yo pa ka passer non yo pa capable donc kounya yo jwenn un international aussi corrompu pourri qui seul plan c'est affaibli institution Haïti craser Haïti pour piller richesse nous qui offre yo magistrature suprême donc neuf intelligence a rentré yo prend pouvoir yo nommé choul blanc encore premier ministre et puis qui sont dépensés qui plan dépensé yo soit disant yo gen compte entre yo et puis on a toute combine rencontre réunion 2h du matin pour séparer partager piller craser pays et ça sous yeux complice international là et ça plus vraiment là c'est sous yeux et complice presque mon cap dit jeunesse haïtienne là pas même pas comprendre yeux complice jeunesse haïtienne là. Oui, jeunesse haïtienne là. Haïtienne comme vous voulez dire que tout ça qui a passé là c'est parce que jeunesse t'a croisé bras l'a regarder faire passer. Justement,
C'est ça m'a dit depuis nous commencer mouvement révolution. Depuis le premier jour m'balé de révolution, moi dit son révolution pacifique. Et c'est sous le peuple là. C'est peuple là qui pour faire. Nous cap montrer le route là, nous cap dire mais ça pour faire. Mais faut que jeunesse prenne conscience. Regardez pour Bangladesh, là moi est-ce que une semaine, il a tué 300 jeunes. Mais ça pas empêcher que hier soir John yo prend bureau premier ministre. Il a forcé le démissionner, il a forcé système n'a fait pas. Bangladesh. Oui. Non, on se met, il a tué 300 jeunes. Gardez jeunes. Mais qui occasionné et passivité ça la jeunesse haïtienne et sénateur Guy Philippe. Moi c'est pauvreté extrême non. Ah oui. Désillusion et politiciens une après l'autre plus corrompu que l'autre plus mal que l'autre. Bien dire que jeune parce que pas gain repère encore. Il pas aucun monde confiance encore. Il va même faire tête yo confiance. Yo apprendre nous pas faire tête nous confiance. Yo apprendre nous que Haïti son pays qui finit. D'ailleurs, yo ouvert chaîne, yo prend tout petit tête à penser yo ou du moins majorité là-dedans yo, il y a le Chili, il y a le Brésil, il y a les États-Unis, il y a le Biden. Yo drainer tout son pays. Alors là sénateur, est-ce que nous ca dit c'est jeunesse ça qui responsable? On dit là, c'est des monde kidnappé. On a décrit situation, c'est des monde kidnappé. Yo ouais. Prenons un complot et yo là-dedans li si ça fait oui. Yo pas même le monde dit là même pas des têtes pas yo moi même jodi a moins accusé jeunesse ça parce que c'est lui seulement qui t'a sauvé c'est jeunesse ça c'est peuple haïtien en général seulement qui t'a changé Haïti en attendant moi m'étant des haïtiens qui parlent de révolution de Afrique de l'Ouest de bagaille en Afrique de l'Ouest par exemple Thomas Traoré excusez-moi moi qui dit Thomas Sankara Traoré li gon là mais quoi dans pays lui. Oui. Nèg Niger yo, nèg Mali yo. Yo gon l'armée qui croit dans pays, yo gon police nationale qui croit dans pays yo. Ici tout gon police nationale vendu. Ou gon force armée d'Haïti pourri et vendu. Force armée qui est pourri et vendu. Ça va blesser. Son ami, on va regarder là, comme même fait, non? Li nan men yo déjà. Attendez, on va expliquer comme ça va veut dire pour autant. Pas gain police qui crème Haïti. Oui oui. Qui sacrifie vie pour Haïti, non? Ça va veut dire pour autant pas gain militaire qui sacrifie vie pour Haïti, non? Mais comme institution, comme moun cap diriger institution yo, ou état major et force ça yo, yo pourri. Et pas gain moun qui n'a assez force dans force ça pour dire non. Des autres ça arrive trop. Comment comprendre? On est libre même cap bail lettre de créance comme ambassadeur, la faire rencontre avec chef Lamro, mon pays, ambassadeur. La faire rencontre avec chef police ou la parler de la définir politique sécurité en pays, un pays souverain. Et puis pour un chef l'armée, parce que ça est normal. Pour ambassadeur, pour même présenter l'aide de créance, il y a balle l'ordre. Pour chef de police accepter pour le dire, ça c'est normal. Et qui paye une affaire? Comment mais sénateur, gon l'autre aspect pour nous là tout. Et en pile fois, bon, pendant 5 années qui passent là, moun yo pas qu'à prendre la rue. Mais en pile fois, c'est pas faute, yo, non? Mais là, il y a des pressions qui gagnent en deux quartiers populaires avec M. Kazam. Nous, c'est difficile vraiment pour faire lever campé. Ajouter à cela, les gens qui récitent, fait sortir, nous, comment la police est. Exactement. Mais c'est ça, absurde tout à l'heure. Attendez, ambassade américaine, je ne vais pas dire l'international parce que l'international est vague. Moi, je dis nommément ambassade américaine. Il contrôle les forces armées d'Haïti. Oui, il contrôle les forces armées d'Haïti. Il contrôle la police nationale. Il contrôle M. Kazam. Ou après que chaque fois, tout le monde n'a là dans l'ONU. Attendez, y'a un contact, continuez avec vous. Pas qu'il y a quelqu'un qui a une propose. Moi, tu qui est-ce qui forme yo? Moi, de madame Laline, qui est-ce qui forme yo? Côté aux jeunes âmes. Yo finis si l'on équipe jeune, yo profite de vulnérabilité jeune ça. C'est du jour, c'est la sénateur, gang ça, qu'on gagne à travers tout le pays. C'est les États-Unis même qui forme yo, qui bat aux avec qui jouent nos opérations de l'ONU. Moi, dis ambassade américaine, moi, dis, il me campe derrière, il m'a expliqué. M'explique que dans les dernières 30 années, l'ambassade américaine assure que Haïti, toujours, moun kap gouverne, c'est tout lié. Yo ont crasé toute institution. L'armée d'Haïti, ils ont crasé Téléco, ils ont crasé Naol, ils ont crasé, ils ont forcé au fond ajustement structurel, ils ont forcé à mettre le pays à genoux pour accepter comme peuple. Ils ont monté sous. Yo vinn meto nan situation kote chaque grain nèg ki vinn président, premier ministre ou ministre ou bien directeur général son gros volet, un gros chat, un gros tigre qui a pillé seulement avec intention pour le quitter Haïti à vivre à l'étranger. Oui. OK, là on pas faut dire que ambassade américaine yo tout connaît côté y a retourner après au fin travail. Non, on pas faut dire que ambassade américaine pas connaît que toute la corruption qui a gangrené conseil et présidentiel là c'est vrai oui. Il pas faut dire pas connaît que nèg yo dans corruption oui. Ou j'aime te dire hein. Au contraire, j'ai l'impression que les mains sont sales.
les ça au pi bon partenaire et les États-Unis les mon sale mais c'est ça yo vle pour gagner dossier sous dos pour les autres faire à droite pour faire à droite l'autre faire à gauche faire à gauche c'est ça que fait yo toujours à bataille pour pas que aucun nèg sérieux privé dans tête pays aucun nèg qui propose nationaliste li les temps que François Maniga il y a craso rapidement parce que yo pas vle ça yo pas vle Haïti sautant salia là pour continuer piller pour continuer à faire bien institution nous pour continuer faire Haïti à voter OK qui monde qui baille Edgar Leblanc mandat qui peuple qui te voté qui baille mandat pour aller voter contre Venezuela qui monde qui mandatil au nom de qui est de patron de maître qui mettait le nom pouvoir que le patron gagne même gaz avec le patron gagne alors c'est ce même Edgar Leblanc le président du conseil qui rivait l'autre bois à Grenade dans CARICOM qui dit tout va bien qui expliquait oui. À international là tout va bien marché jusqu'à présent ah, la oui, vie oui, a commencé la vie oui, prend dans pays en attendant nous et téléphone il y a gagné pour 7 millions 8 millions goudes par mois et chaque grain il y a une belle machine, il y a un cobre pour le deuxième caille, il y a un cobre pour le maîtresse sur le bagage. Mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est ça lié pour les gens. Il n'y a pas de venir là, il n'y a pas de pays. Là, il ne peut pas voter, il n'y a pas de faire plaisir. Il n'y a pas de patron au plaisir. On essaie de regarder, sénateur. Là, nous disons ici à plusieurs invités, international là, bon, on va les droites dans l'ambassade américaine, il y a plusieurs possibilités devant, il y a plusieurs propositions. Nous rappelons proposition PAO, tu as également cassation qui sous table là, également et conseil là. Mais ces conseils ça, tu es by bénédiction et nous qui embarqué. Là, nous en trois mois plus tard, jeudi à conseil ça, nous sommes tapés tout à l'heure et me pensais tout le monde qui a attendu, qui a regardé, ça qui a passé là. Le bilan c'est zéro. Et ensemble des bagages côté déjà dit, qui clair, nous là de là, nous vivons jeudi. C'est scandale sous scandale. Si on a regardé ça qui passé avec question BNC, côté trois conseils impliqués directement dans le mandat, dans le marchandage avec un président de conseil BNCA pour bailler 100 millions de gouttes pour le rété, gagner plusieurs démarches qui ont fait, ça qui a passé au commencement. Je dis à le conseil présidentiel avec international, qui ben nous force multinationale, ça, qui ça nous peut comprendre, qui ça nous a dit de yo finalement après trois mois, quand tu as fait constat ou tu as observé. Moi-même, moi, je te dis, je te promets que, une fois que pour